dans son bateau, la première chose à faire, c'est de rentrer avec les jambes tendues. Et on va utiliser les bras pour se pousser à l'intérieur du bateau, en mettant bien ses jambes tendues. Et on va se glisser dans le bateau. Vas-y, Ulysse, tu nous fais voir. Première chose à faire. On pagaie ce sens-là. Après, quand on pagaie l'autre, on tourne comme ça. Et on pagaie ainsi de suite. D'accord. Donc, on avance, on pousse sur ses mains, on prend la pagaie, on fait 50 mètres, on s'arrête et on se regroupe. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Tout le monde m'a entendu? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, on avance, on fait 50 mètres, on se regroupe. Un peu comme des phoques, les kayakistes de mer regagnent leur élément en traînant le ventre. Une petite poussée sur les bras, les doigts enfoncés dans le sable, ils quittent la terre. À eux le choix d'aller où bon leur semble. Liberté, évasion, découverte et sensation de glisse, le kayak de mer est devenu une activité sportive de plus en plus appréciée. Éric Marion, moniteur de kayak, n'a jamais de difficulté pour trouver quelques compagnons pour partir en balade. Là, on est sur une position de sécurité qui consiste à regrouper tous les kayaks de façon à ce qu'on puisse, nous, pouvoir d'une part communiquer plus facilement et d'autre part, de donner des informations. C'est-à-dire, on vient de s'arrêter, on ne sait pas forcément où on va aller, donc on se regroupe, je donne une direction, on va prendre ce point de repère et aller dans cette direction-là. Donc tout le monde a les consignes, sait où on doit aller. C'est l'occasion de faire des balades. Puis on passe, il faut que 10 cm de fond, donc on passe là où en bateau on peut pas passer. Donc c'est déjà mieux, on voit plus de paysages. Enfin, la première fois, j'étais un peu impressionnée parce que j'étais toute seule déjà et j'avais pas beaucoup de force. Donc Eric, celui qui fait du canoë, il n'arrêtait pas de me remorquer. Des fois, j'arrivais, mais pas très bien. J'avais pas beaucoup de force. Là, je serai avec un autre monsieur, donc j'espère que j'en aurai. Parce que là... Maline, Laura a fait le bon choix. Embarquée sur un biplace, elle peut se permettre d'arrêter de pagayer de temps en temps. Pour les autres, en revanche, cela commence à tirer sur les bras. Dans ce cas-là, formation en radeau pour une petite pause. Tirer sur les bras, parce qu'il faut pagayer. À la fin, c'est fatigant. Hein, comment ça va, les gars? Bien. Les jambes là à l'intérieur, c'est bon? Ouais. On se relâche un peu. Vous avez allongé les jambes là pour vous détendre? Ouais. Voilà, ça fait du bien. Ouais. Je prends les mains, pas trop froid. Bah là, il fait un peu froid, alors on va pas arrêter là. Ouais. Donc, demi-tour paisible pour tout le monde. Sans précipitation, on s'attend, on reste groupé. Allez. Objectif, allez, s'échouer sur la plage là-bas gentiment. D'accord? Et on s'attend. On s'attend quand même. Hein. On chavirait à la fin. On pourra chavirer à la fin. Moi, je peux pas. En ce début de printemps, l'eau est à peine à 12 degrés. Il fait encore un peu froid. Alors, direction la plage la plus proche et baptême obligatoire avec un esquimotage pour les nouveaux venus. Elle est fraîche, très fraîche, ouais. J'ai trouvé ça cool, ouais. Très cool, ouais. Agréable. Ouais. Prends une petite douche chaude, là. Ça va faire du bien. On ne va pas s'aventurer dans des endroits qui sont dangereux. La mer est un milieu naturel, donc chaque sortie est organisée de façon à ce que les gens soient en totale sécurité, qu'on puisse aller voir des endroits peut-être un petit peu difficiles d'accès, mais que ce ne soit jamais aux dépens de la sécurité. En Bretagne, et plus particulièrement sur la presqu'île de Quiberon qu'il habite, Éric Marion varie au gré de ses envies le choix de ses sorties en mer. La côte sauvage de Quiberon a sa préférence. Mais il faut là un minimum d'expérience pour appréhender près des rochers la houle et le ressac des vagues.
Personnellement, j'adore me balader au milieu des cailloux. Ça permet de, justement de rencontrer des oiseaux qui sont juchés sur des endroits un petit peu inaccessibles. Ça permet de d'avoir des sensations, des émotions. On en prend plein la figure. En même temps, on peut glisser entre les cailloux. Ça, c'est très bien. Il y a des petits canyons de pierre qui permettent de se faufiler dedans. Donc, au niveau de la découverte, ça, c'est super. Tout ça permet donc d'avoir un contact très, très proche de la nature. Hein. Et au niveau physique, ça peut être aussi une activité qui peut être très physique. Quoi. C'est-à-dire, si c'est pratiqué sur des longues distances à rythme soutenu, ça devient une activité assez physique. C'est pour ça, comme c'est un sport assez complet, c'est pour ça que je le pratique. Devenu un loisir, le kayak est resté dans sa conception quasiment identique à celui inventé par les Esquimaux il y a 2000 ans.